Être en mesure d'innover, être en mesure d'offrir un bel encadrement à ses étudiants, c'est exactement ce que le Collège de Champigny vise avec la concentration sport. Récemment, nous nous sommes déplacés au centre de ski, le Relais. Plus de 20 jeunes étudiants se dirigeant d'un pas décidé à l'intérieur de l'autobus, leur permettant de pratiquer un merveilleux sport, le ski alpin. En effet, depuis peu, une nouvelle concentration sport a vu le jour. Explication. Ce que j'ai voulu faire avec la concentration sport, c'est un peu viser le développement global de l'élève. Je voulais pas m'attarder à un sport en particulier, donc je vais pas faire du hockey là, pendant une année complète pour développer là, des spécialistes. Mais ce que je voulais, c'était vraiment aller chercher un background sportif là, chez les élèves. Puis quand ils vont quitter le secondaire, mais ils vont être capables d'aller chercher une discipline puis continuer là, les saines habitudes de vie là, dans un sport qu'ils auront découvert ou perfectionné avec moi. À quel sport on touche? Présentement, je suis avec les secondaires 1, donc il y a du hockey sur glace, du deck hockey, il y a de la natation, de l'escalade. Là, présentement, on est en ski, des arts martiaux. Je vous dirais là, que en même temps, le programme est en pleine, c'est sa deuxième année, est en pleine construction, si on veut, en évolution. Donc, j'essaie de monter un éventail de sports là, pour aller toucher les jeunes là, dans leur passion, puis aller les... Piquer aussi leur curiosité aussi, si on veut. C'est des blocs d'environ 6 à 8 cours. Donc, l'élève doit pratiquer ce sport-là, mais par la suite, il y a un autre sport qui s'en vient. Donc, ça leur permet de toucher à tout puis d'avoir une activité qui leur plaît là, durant l'année. Les objectifs et les buts à atteindre avec un tel type de programme sportif demeurent nombreux et bien ciblés. Si je prends comme aujourd'hui l'exemple du ski alpin, plusieurs n'avaient jamais fait de ski alpin. Moi, c'est un peu des rentes fonctionnelles. Donc, je vais pas chercher des critères d'évaluation très spécifiques, très pointus, mais c'est des rentes fonctionnelles dans chacun des sports. Je pense à la natation. Là, plusieurs ne savaient pas nager aussi. Donc, je développe 2-3 styles de nage. Donc, j'utilise mon background sportif antérieur. Chez les étudiants de secondaire 1, les raisons de s'inscrire à Champigny et choisir la concentration sport étaient nombreuses. Moi, j'ai décidé d'aller à Champigny parce que ça a l'air d'être une petite école très... ça se perfectionne. Oui, puis pourquoi j'ai décidé d'aller en option sport, c'est que je voulais perfectionner mes sports favoris puis apprendre d'autres sports. Et toi? Moi, je suis allé à Champigny parce que je voulais voir comment, parce que je voulais m'améliorer en tant qu'étudiant. Puis deuxièmement, pourquoi je me suis inscrit en sport, c'est pour parce que moi, j'aime bouger, puis je voulais essayer d'autres sports en option sport. Si toucher à plusieurs sports et pouvoir se retrouver entre amis, et ce, à l'intérieur des cadres de l'établissement, demeure intéressant, il ne faut pas négliger l'aspect scolaire. Une bonne discipline, puis une bonne concentration. Parce que, tu sais, les profs sont vraiment gentils, puis sont stricts. Là, tu sais, ils veulent qu'on s'applique. Ce qui devient vendeur avec cette concentration repose sur l'ouverture à différents genres de sportifs. Pas besoin d'être de l'élite afin de s'y inscrire. Juste une bonne volonté et un désir d'apprendre, et ce, à l'intérieur de conditions agréables et gagnantes. De plus, afin de permettre un meilleur encadrement, il faut un passionné. Ça prend un enseignant qui est... comment je vous dirais ça? Il faut être habile dans... Voyant, il mange du sport, là. C'est sûr que j'ai un background en natation, en triathlon aussi. J'ai coaché le rougeur de natation... triathlon, pendant quelques années. Je suis un adepte de vélo de montagne, d'escalade. Donc, je suis un passionné de sport. Je pense que les élèves, là, vont être bien servis. Là, ce sera pas l'enseignant qui va attendre dans le chalet. Ça va être l'enseignant qui va être sur les pentes en train de leur aider à développer leurs aptitudes sportives. Deuxième année de la concentration sport à Champigny. Est-ce à dire qu'on veut l'appliquer à tous les niveaux éventuellement? C'est mon grand souhait, M. Manger. Les groupes sont pleins dans les niveaux 1, 2, 3 et 5. Donc, il reste le niveau 4. Sûrement que ça donne dans les prochaines discussions là, de mes patrons. Je le souhaite très fortement.
C'est fun de voir que moi, on est soutenu par la direction de l'école. Ah oui, tout à fait. Là. Donc, puis, avec la direction, puis il y a des beaux partenariats aussi. Là, quand je pense à l'Université Laval, là, qui est tout nouveau là, depuis le début de l'année, là, qui nous supporte, qui, avec, je pense, au directeur là-bas, M. Collin, là, qui nous offre des plages horaires incroyables, des plateaux incroyables. Donc je suis très bien supporté de la part de ma direction et de la direction là, des organismes. Là. Une belle alternative au programme sport-études. On se développe différemment tout en gardant l'intérêt de ses étudiants.